M'a commencé l'émission avec un SOS que m'a lancé pour fond parisien. Hier soir, moi recevoir un pile appel. Mon fond parisien qui dit bientôt, il y a gain information sur monsieur Gang 4 Marozo qui a préparé une attaque. C'était pour hier soir. En pile mon jeune te fait pendant toute semaine là et week-end là dédié au prend disposition population hein, quelque part. Nan fò parizyen yo pa lâche et yo konnen ke yo dwe defann tèt yo paske yo pa gen piès li moun nan l'état k'ap defann yo. Yo organize yo a zon yo pou gade koman yo ta va prepare a yon eventuel atak. Monsieur dam, la mò sanjou pral fè massak fò parizyen. Et déjà la polis lan nan comportement monsieur accepté pou ke la mò sanjou al fè massak la paske yo gen information. Mais est-ce que yo aller en aide ou bien aller en renfort avec population fo parisien pour préparer avec quel que soit attaque que la mensonge yo ta va faire? Non. Est-ce que ti sous-commissariat qui font parisien capable répondre avec assaut bandi yo? M'pa kwè parce que yo pa gen matériel pour ça, yo pa gen zam, yo pa gen munition pour ça. La mensonge gen en pile ti moun ki nan 15, 16, 17 ans qui gen gros am nan men avec un pile munition que l'a voyé al fond parisien. Si on mouri ça pas intéressé, ça pas déranger le tout. Mais le gagnant, li voyé al fait massacre là. Ça veut dire que fond parisien gagnant yon alerte sou li. M'a demandé tout moun qui capable faire message ça arriver, faire arriver quand il arriver peut-être malfra qu'il a yo a peut-être voyé renfort bay fond parisien pour nous pas perdre fond parisien. Parce que objectif là c'est que la mort sans jour besoin devenir yon nan pi gros machin zam même j'avec Izo nan pays parce que pas oublier gang yo quelque part jodi an yo doté tête yo don série de matériel pour que yo même yo capable gen disposition pour yo recevoir munitions avec zam pour yo capable vendre avec l'autre groupe gang qui placé non série des zones nan Port-au-Prince là la mort sanjou kon fè deal ça avec dominicain et avec haïtien qui te kon vend zam en Haïti. Eh bien, qui rentre Dominicain et capacité d'armes dans le Dominicain avec munitions pour vous vendre, l'amour sans jour et dans pleine. Mais comment vous faites passer de Jimani avec lac Azouéian pour aller tomber soit dans zone Tomazo parce que vous n'avez pas passer directement fond parisien sans mavel. Eh bien, quand l'amour sans jour besoin prend fond parisien pour le mettre chef gang ni fond parisien pour le capable gagner direction frontière en droite pour ne pas passer par lac Azouéian encore. Ça veut dire que, quand on parle à volant, la mensonge prend contrôle total commune Gantier, qu'on a besoin de prendre fond parisien pour mettre les fond parisien de assassiner les gens, pour être capable de faire route Gantier, fond parisien mal passe là, doit être même pour faire ça que vous voulez. Eh bien, nous voulons lancer SOSA dans la première partie de l'émission, jeudi, qui c'est 5 août 2024 là, pour que nous t'avons regardé comment nous t'avons fond parisien t'a jeune support pour ça pas être en fait. Et si toutefois, vous quittez ça fait dans le pays, ou mettre quoi me souvle, c'est j'aime te dire là que tout haïtien prend disposition pour éliminer monsieur Sao là. Fait tout ça que nous capable pour nous retirer là. Sinon ou nèg Sao quitter gang 4 Marozo, al prend fond parisien, pas même poser question, pas jamais demander elle, pas jamais demander nommer Ramou et comme si m'a dit supposant rien. Moi te connais que monsieur gon mission pour le vin continuer, c'est ça que France LB t'a fait dans pays là qui s'est rassuré que gang nan prend tout territoire national ou bien 10 départements, alors ou bien 20 communes qui dans le département l'Ouest. Là. Il est important pour qu'on ça. Après, elle tourne sur ça. Voilà. Hier, nous avons fait une émission côté que nous avons dit, nous avons un problème, non? Nous comprenons, ni? Eh bien, kounya, nous devons aller droit vers solution. Nous prenons parler de politique. Et en plus, nous prenons parler tout. De sécurité ya, kap ravage espace nou yo, kap tue moun nan peyi ya, problème de sécurité ya. Mais tout d'abord, sa gen la comment kapab rezoud li, avec qui est nou kapab rezoud li. Je dis encore une fois, Mabdil, sa que nou gen la comme situation, pa gen moyen pour le rezoud avec M. Saoki la. Gary Koni, c'est peut-être vini avec un petit cal volonté.
c'est ça que le te dit, ça que le te vend non. Mais m'abdou sa journée jodi an là. Docteur Gary Conille, pas gen rien dans tête comme solution avec problème ko gen kap fin avoir la comme peuple. Et mi sa passe pi mal que Ariel l'a arrangé pour patron pour boss li yo pour faire une élection bouille vide pour capable mettre ton président pour pétrole au parlement rempli avec terroristes criminels assassins gang sale kidnappeurs trafiquants d'organes trafiquants d'armes bonne vicieux voleur avec sénateur et puis après ça pour le ramasser battant clan avec pile million à vivre Washington ou bien New York avec famille. Parce que, moun ki autour de Dr. Gary Conille, c'est des éléments, c'est des acteurs dans le chaos qui n'a pas connu là. C'est des éléments clés qui posent jalon yo en d'un pays pour nous arriver là. Et c'est fruit travail yo. Nous relè l'insécurité, nous relè l'instabilité, lui-même. C'est le même qui la paix pour yo. C'est le même qui stabilité pour yo. Et c'est véritable business yo. M'a répété chaque jour. Ça qu'on gagne là comme situation, c'est une véritable entreprise. C'est un investissement qui fait. C'est de planification. Il y a un pile actionnaire dans l'entreprise ça. Chaque nèg gagne une tâche que yo contrôler. Et yo bien géré, yo bien fait gestion pa yo. Qui ba yo résultat qu'on a gardé jeune jodi a. Quel que soit moun ki ta gen volonté réelle pour aborder problème nan nan niveau pour aborder l'an, eh ben y a fait tout ça que yo connaît pour que yo élimine ou yo monte système nan comme ça yo pa vle pour que problème nan résoudre. Eh ben nous même qui ça que nous devons faire pas plus tard que hier on m'expliquait nous yon rêve que me fait. Après un pile calcul, alors m'a pensé avec ça qui a passé dans le pays d'Haïti et m'a réfléchi avec qui ça qu'on est capable de faire dans l'immédiat pour une solution. Et ben moi que même j'ai essayé de poser un jalon qui mène nous dans une situation difficile ça. Et ben moi bon Dieu dans ciel là qui a tout pouvoir, les dimbeto son jalon pour poser. Comment poser jalon? Poser un jalon veut dire qui ça? M'a répété encore. Moi chita m'a réfléchi de situation pays d'Haïti. Et c'est avant hier soir. Me dit qui ça qu'une capable joindre comme solution. Moi parler chaque jour. Nous sensibiliser. Nous mobiliser. Je me dis, bon Dieu, qui ça que nous capable de faire? Et puis, me préparer émission pour demain. Le mal dormi, je fais un rêve. Qui ça que moi? Je rêve. Alors, dans la même soirée, je rêve que. Moi pas au presse. Moi m'a essayé chercher jeune garçon avec jeune femme qui fait de 90 à 95. Qui fait de 90 à 95. Parce que ça qui passé, l'homme pour dormir m'a réfléchi avec comment problème n'a fait là. Pour nous penser qui solution, parce que ça qui passé, si nous prenons un exemple, yon pays qui fait yon avion de guerre, li même encore, li fait un matériel qui ka atteint avion de guerre ça. Yon pays qui fait yon hélicoptère de guerre, depuis yon l'autre pays qui adversaire ou konne, la fond matériel qui ka atteint hélicoptère de combat ça.
Mais de fait, je me dis que si monsieur est capable d'organiser pour mettre ton pays dans une situation pareille, et moi-même, c'est haïtien, je suis vivre en Haïti, je suis un comportement politicien avec les gens qui dans la presse traditionnelle et les gens qui dans soi-disant secteur protestant d'Haïti et des prêtres qui dans l'église catholique épiscopale, je dis que les gens qui ont un jalon qui est opposé. C'est-à-dire que les gens qui nous sortent pour arriver là. Et le moi, politicien, ça yo pendant 10 dernières années qui se passent là, yo, me dit, moi comprends bagay là. Yo fait la jeunesse comprendre que c'est blanc qui véritable cancer là pour nous. C'est blanc qui ceci, c'est blanc qui cela. Yo gon discours anti-blanc. Et puis là maintenant nous en 2024, même leader qui te fait comprendre que blanc américain c'est criminel, c'est assassin qui cap détruit pays haïtien, c'est même leader politique ça aujourd'hui hein, qui est parfaite harmonie avec les États-Unis d'Amérique. Qui prend la fête indépendance États-Unis d'Amérique dans l'ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Même leader qui faut comprendre que l'Occident c'est le plus gros problème pays d'Haïtien, je veux dire leader ça pas qu'à répéter mon l'Occident dans la bouche encore. Même leader qui te faut comprendre que les amis la Russie, les amis Venezuela, les amis la Chine, les amis ça yo pas capable de parler de pays ça pour le moment. Et puis je dis, et puis la jeunesse qui était cuit cerveau, faut jouer États-Unis, faut bouler drapeau États-Unis, et bien leader politique ça je dis, il a pas fait harmonie avec les États-Unis d'Amérique. Kounya qui ça qu'on doit comprendre comme jeune. Et bien comme nek ça beaucoup ou même comme la jeunesse, eh bien, moi-même, personnellement, qui parle avec nous là, pour dire dans le ciel, là, qui a tout pouvoir, lui fait me comprendre. Ça qui a passé, il voyait, vine parler avec vous, comme jeune, qui n'a tranche d'âge, pas maintenant. Parce que mon Dieu choisit, l'estime que vous avez fait confiance, lui voyait, vine parler avec vous, après réflexion, après prière, moi, avec grand Dieu, Jéhovah, eh bien, mon Dieu dans le ciel, là, fais moi en Haïti. Moi en Haïti, m'a parlé avec jeune et m'a osé questionner oui dans qui année qu'on fait. Ça veut dire que moi mal choisi moun de 90 à 80 à 91. Je suis désolé. Par contre si c'est parce que moi fait non entre 90 et 95 là qui cause moi voyer là. Parce que yon jeune qui fait en 92 dans moment ça me bien croire que la 32 au monde qui fait 90 la 34 ans au monde qui fait 91 80 ça veut dire que la dans ligne ça yo c'est de 20 à 30 ça veut dire qui ça espoir pays a li reposer sous nous même comme jeune ça yo qui dans 25 à 35 ans parce que état pays d'Haïti est là. C'est une révolution capable de faire là-dedans. Pour le fait, une vraie révolution, c'est jeunes de 25 à 35 ans capable de réaliser. C'est monde de 25 à 35 ans qui capable de faire une vraie révolution en dedans pays. On prend exemple, il y a un dans le pays Burkina Faso. Avec capitaine Ibrahim Traoré. Jeune capitaine Ibrahim Traoré à Burkina Faso. Quel âge capitaine Ibrahim Traoré? Monsieur Gagné, 34 l'année. Camarade, je... Mais voilà, le capitaine non. Capitaine Ibrahim Traoré. Nous prenons exemple ça clair. Qui te gagne un général l'armée qui te fait coup d'état contre un président élu démocratiquement mais qui se tue la France. Ibrahim Traoré t'a assisté de coup d'état. Et puis ouais. Général ça qui fait coup d'état. Première action que monsieur pose qui dérangeait jeune révolutionnaire capitaine Ibrahim Traoré, c'est le capitaine Ibrahim Traoré que général Sanan Lameyan, monsieur décidé pour le faire rentrer dans le pays, assassin numéro 1
de Thomas Ankara. OK. De Thomas Ankara. Monsieur fait rentrer dans le pays. On a qu'il condamné pour crime ça parce qu'il y a des preuves tangibles sur lui, c'est lui qui te fait assassinat. Eh bien, colonel la famille se rentre dans le pays. Capitaine Ibrahim Traoré, révolté. Et le gars de loi, monsieur, comportement au pouvoir, monsieur Pierre reste avec, que président qui était élu démocratiquement, qui était sous la France là. Capitaine Ibrahim Traoré, réuni avec troupes, il dit, monsieur, la vie ou la mort, la patrie ou la mort. Monsieur dit, il faut que nous sauvions Burkina Faso. Et c'est le meilleur moment pour nous lancer bataille ça, et puis pour nous poser jalon, pour nous faire vraie révolution, pour libération, peuple burkinabé. Mes amis, partagez l'émission pour nous. Partagez le pour nous, ça ne va pas coûter non rien. Il ne va pas coûter non good. Prenez un link, mettez-le sur Facebook. Prenez un link, la gueule dans WhatsApp, mes amis, dans groupe WhatsApp, pour nous capables de faciliter plus haïtiens, capables de connecter ensemble avec nous, pour autant de messages. Après, rappelons que jeune capitaine Ibrahim Traoré, monsieur qui est 34, alors monsieur prend pouvoir à 34 l'année. Monsieur avance là maintenant. Monsieur a pas avancé vers 36 ans. Eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré, ouais que nèg sa qui président Burkina Faso, c'est comme ça que il décide de comporter. Eh bien, jeune capitaine Ibrahim Traoré décide de réunir avec tout le conseil entre eux. Monsieur convainc une quantité de soldats tête chargée. Et M. Jeune en troupe enragé. M. Jeune de nèg que li mette pou fantaine. Et monsieur décide de faire un coup d'état sous général ça qui te fait coup d'état nan, qui te jete gouvernement légitime, qui prend pouvoir, mais qui a fait bagay qui pi mal que gouvernement qui te là déjà. Ibrahim Traoré jete monsieur et il prend pouvoir. Depuis le ça, monsieur posé jalon. Monsieur posé jalon. Monsieur dit Burkina Faso. Décidé, peuple Burkinabé a décidé pour qu'il prenne destin en main. Monsieur décidé fond bataille pour peuple ça capable sortir dans sa quelle nouvelle là. Parce que la France pas gen l'or. Pour que ça la France ou nan pays gen pi gros réserve d'or. Kote le botel nan continent africain. La France belle en pile pour que ça continent africain nan état ça. Pour que ça toujours là beauté richesse qui nan sous-sol pays Burkina Faso, Niger, Mali, Guinée Conakry et puis pays ça nan état ça et puis la France belle comme ça, gros réserve d'or et puis comme si m'a dit toujours présent. Et ben pays ça a décidé pour que ou coupe fâché avec la France. Yo exige départ. Ambassade de France dans pays yo. Yo coupe ligne aérienne avec la France. Qui peut être difficile pour un pile burkinabé qui a nationalité française. Mais peuple ça accepte le. Yo ba yon leçon. Il y a près de 5 pays en Afrique qui coupe fâché avec la France. Et c'est un message clair. Quand m'a parlé voilà, ou peuple ça yo gon façon que a respirer et territoire national yo, ou que yo même avec force de l'ordre yo gen contrôle li. Mais la France était là, c'était terroriste qui était toujours bien équipé et puis soi-disant force française était toujours présent sur le terrain, pas gen rien sérieux que t'a réglé. Mais c'est pas comprendre. En pile mettait pas comprendre ça. Yo peut-être pour que gen moyen pour t'aborder
ou bien attaquer problème ça. Capitaine Ibrahim Traoré décide de prendre tête pays Burkina Faso. Et bien l'homme réfléchit avec jeune capitaine Ibrahim Traoré qui a toute fougue ça et détermination pour que lui capable de mettre pays sur rail. Me dit tête moi clairement bon mal font garder Guy Philippe 2004. Et ça que m'a dit discours que Guy Philippe gagne là en 2024, 2023, 2024. Guy Philippe pas gagné en 2003, 2004. OK? 2004 Guy Philippe avait dit que 20 ans de cela Guy Philippe pas gagné discours ça. Raison en lit très simple. Quel âge que Guy Philippe t'a gagné en 2003, 2004? Parce que 2004 pas fait 2004. 2004 fait de 2000, 2003 pour arriver 2004. Parce que vous pouvez regarder qui l'a Guy Philippe prend exil, qui l'a rentré en Dominicani, qui l'a révolté, qui l'a rebellé, qui l'a armé, qui l'a rentré au Anamet. On va se voir Anamet pour rentrer au Cap-Haïtien. Cap-Haïtien rentre Gonaïve, de Gonaïve, rentre Port-au-Prince, vin voyer Aristide aller. Il faut regarder toute préparation ça. Et puis vous avez dit tout clairement qui l'a commencé. Mais là, ça. Al gade ki l'âge que Guy Philippe te gagne. Al gade ki l'âge que Guy Philippe te gagne. Eh bien, moi que, je ne jodi, jeune yo, décide vire do bay pays ya non. La jeunesse pas fait ça. Ou même qui gagne 25 ans, je dis à Captain Demla, ou même qui gagne 35 ans, Captain Demla, nous c'est la vie, nous c'est l'espoir pour Haïti. Yo moun, yon personnage qui gagne 60 ans, je dis à qui rem Haïti, li compte sou moi. Li compte sou ou, qui gagne 25 ans, qui gagne 35 ans. Qui n'a trentaine. Ça veut dire que nous, c'est espoir. Yo campé par côté nous. Y a ban bon conseil. Y a supporté nous tout. Parce que décider rentrer dans la bataille pour libérer le pays ou, y a pile monde qui pas kagoumé encore, mais yo prêt pour vos amis à la bataille pour yo. Économiquement, yo konon pas gen l'argent, yo prêt pour supporter ou. Y a monde qui gen 55 ans, 60 ans, 70 ans, li pas ka déplacer l'goumé. Mais le quoi dans ou même comme jeune kap bataille, li dit économiquement, faut me supporter jeune ça, parce que monsieur gon kote l'vla aller. Li besoin moyen et ben m'a supporté l moun sa ou prêt pour ba support pa yo pour vous support pa yo dans bataille. Eh ben l'homme réfléchit avec rêve que me faire ben me dit tête moi clairement me doit engager plus bon Dieu ba mon l'autre mission en plus de mission que moi t'ai gagné qui c'est véritable bataille contre sac gamba pour nous garder comment nous t'va changer écraser système là pour pays incapable monter sur rail. Et bien, frère, avec ce même cap tande nous, cap gade nous jodi, qui c'est 5 août 2024 là, bien sûr, m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde tout d'abord. Moi, alors, son plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous, sur la plateforme ça. M'a dit nous que, mission en plus que l'éternel, ben moi, c'est al parler, c'est faire voix m'river dans oreilles. Jeune qui fait 90 yo, jeune qui fait 95 yo, pour que nous, capable faire connaître que yo gon gros responsabilité c'est par rapport avec tranche d'âge que yo gagne mais responsabilité ça yo était comme si reposer sous dos yo ou fait 90 ou dans 34 ans pour 35 ans ça veut dire que pas gagne jouet dans ça ou gon gros responsabilité sous dos Haïti besoin on surtout pour jeunes qui vivent en Haïti yo jodi c'est nous mêmes que c'est avec nous directement que m'a parlé qui ça que nous capable faire qui moyen qui ça qu'une capable faire pour nous permettre que Haïti sorti dans ça qu'elle trouvait là. Est-ce que n'a fait absolument croiser bois? Est-ce que n'a camper garder? Est-ce que n'a continuer prendre canter pour aller mourir dans la mer? Est-ce que n'a continuer faire Brésil, de Brésil faire 10 pays pour entrer États-Unis? Est-ce que n'a continuer le Chili? Est-ce que n'a continuer courir qui tes paysan, bail voyou, bail criminel, bail sang coute, bail sang, bail conse ça yo, continuer détruire Haïti? Non. Nous tout pape jambe capati. Nous tout pap jam kapati. Et majorité dans nous pap jam prend risque al prend bateau pour aller dans la mer pour comme quoi que ou quitter pays a. Non, nous tout pap jam fèl. A toujours des monde qui gen l'idée ça. Mais majorité pap jam fèl. Et si majorité t'a fèl, moi crois que Haïti pa gen monde encore. Parce que 60 à 70% population c'est la jeunesse, c'est monde qui en bas 30 ans, en bas 35 ans. Mais pour qui ça donc connaît que majorité population c'est monde qui n'a moins que trentaine, et puis nous connaissons ça, et puis nous quittons. Une minorité qui sont équipés de grands mouns sans honte, vicieux, sans coutume, malhonnête, continue pour prendre pays en otage.
prend destin en main comme jeune. Nous prenons le tourner sous capitaine Ibrahim Traoré qui est sous écran parce que discours ça que ou regardez là, il était pas comme si on va le faire entendre parce que monsieur parlait, monsieur dit en pile causé et on doit entendre comme jeune. Monsieur expliquer qui qualité bataille que le menait. Monsieur expliquer qui qualité obstacle que le croisé sous chemin li. Monsieur expliquer qui gens que manipuler nous comme jeunes comme peuple pour capable prendre en otage. Qui gens que préparé pour faire bataille contre propre tête. Monsieur expliquer. Elle doit communiquer avec peuple très très souvent pour peuple capable entendre et comprendre parce que qui s'est passé? Zam impérialiste l'ont utilisé, zam que conseiller utilisé, zam que détracteur utilisé, c'est la communication. Yo contrôler l'opinion. Yo communiquer très souvent pour être capable assassiner le caractère monde. Fait tout mentir sur vous, faire discréditer des personnalités qui sérieux dans la société. Le ça pour capable attaquer dans la dimension que vous voulez, pour même pour accepter avec quelque soit attaque que vous faites sur lui. Et bien dans ce sens, nous devons communiquer avec jeunes, adresser nous directement avec jeunes. Jeunes qui sont dans la tranche d'âge, qui sont dans la génération PAML, nous devons mettre tête ensemble. Pendant que nous gagnons, personnage nous qui fait en 1970, qui l'a pour accompagner nous. Ban conseil, sur route qui n'a pas fait. Ça cause moi dit, nous devons créer club fan VIP InfoBetoa. Nous devons mettre le sous-pied définitivement. Pour nous gagner tout personnage nous, qui pour disponible pour nous, qui pour partager idées ensemble avec nous, partager expérience ensemble avec nous. Moun qui te dans la force amie d'Haïti, pour nous gagner, pour nous parler avec nous, pour dire nous faire InfoBetoa, mais qui vous gagnez dans Jacoucho, mais comment vous avez abordé le problème. Parce que je dis, hein, au niveau que nous allons arriver, pour nous libérer Haïti, nous avons obligé de mettre plusieurs options sur le tableau. N'a pas avancé pour nous continuer à parler avec monsieur yo pour yo tande nous si yo pas veut tande nous n'a utilisons l'autre stratégie parce que n'a utilisé plusieurs options c'est soit que la jeunesse pour une jeune 2 millions moun préparé en tant que jeune cap utiliser manchette rache gasoline caoutchouc allumette cap ça disponible pour yo ça sont option dans quatre bataille pour libération pays d'Haïti hein? Et n'a gagné jeune tout cap camper sous deux pieds yo cap dit monsieur yo ça n'est assez. Il faut que nous stoppions. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et il a foulé le béton de manière pacifique pour faire un message ça passer. Si ça n'a pas passé, je n'ai pas replié. Il a dit que pour Haïti, dans l'état qu'il trouve, dans quel pays qu'il y a, il y a un pays qui fait plus gros révolution dans le monde là et qui réussit à gagner une bataille là. Haïti. Qui bat une pigou l'armée dans le monde là. C'était Zanset Noyo qui te fait combat. C'était moun même j'avais nous qui ont été. Ils ont été bravés danger. En pile, ils ont été morts. Mais ils ont été battus une pigou l'armée. Ils ont été tués en pile moun pour nous dériver un bout de ça. Nous pas capables de croiser Bran pour nous garder des moun même j'avais qui c'est Haïti même j'avais pour un pays pour détruire. Au bénéfice de yon groupe qui parle Haïti, qui parle haïtien, mais qui utilise Haïti comme yon jeng pour boter l'argent seulement et puis elle vivre bien à l'étranger. Nous pas capables. Petit oligarque, tout, li décide de camper à distance, mais pour la boter l'argent en Haïti. Mais peuple haïtien pas intéressé, la vie peuple haïtien pas intéressé, l'école peuple haïtien pas intéressé, manger peuple haïtien. Avec grand goût nous misère nous pas intéressé, c'est faire l'argent par tous les moyens. Mais comment capable Brazil? Nous obligés, parler avec jeunes ça yo, pour nous faire comprendre que y a des options. Vive libre ou mourir parce que ou c'est haïtien. Parce que lorsqu'on peuple qui connaît histoire ou connaît histoire ou pas prendre porte bagarre dans même monde. Mais lorsqu'on peuple qui oublie qu'on sorti, oublie l'histoire ou condamné pour revivre li. Et c'est ça que n'a vivre là parce que nous croiser pied, nous croiser bran, nous pas nous comme si nous oublier qu'on sorti, c'est ça qui cause nous qui t'en faire ça fait nous là. Et ben moi, mon connaît côté me sorti. Moi plus que révolté. Moi décidé pour me bataille. Grâce bon Dieu qui nous croit dans lui. Il décide d'utiliser nous pour nous faire message la passer parce qu'il croit que l'un parle jeune ne va pas l'entendre. Moi j'ai dit de parler avec jeune ça yo pour rejoindre nos batailles là, surtout pour jeunes qui vivent en Haïti yo. M'a dit tout jeune qui tendez nous là jodi en Haïti. Qui pas dans gang, qui pas dans voleur, qui pas dans kidnapper monde, commencez préparer vous. Parce que route libération,
c'est la droite pour aller. Un, outil pacifique pour nous faire message la passer pour nèg sa yo qui prend payer en otage l'attendez depuis pas attendez. Deuxième outil, c'est dire clairement mais qui côté nous ensemble avou. Un, nous cal dans élection ensemble avou, nous choisi qui est-ce que nous que nous voulons comme dirigeant nous, nous voter en masse ou choisi pour faire qu'aucune élection nous utiliser rache manchette gasoline, caoutchouc, allumette. Nous font déblouser dans le pays pour nous foutre une leçon définitivement pour nous disparaître sur le territoire national. Là. Et le ça, nous prenons destin nous, destin pays nous avec violence pour nous capables de mettre une stabilité en permanence dans le pays. Ça. Nous avons plusieurs options parce que n'importe qui ça il faut que nous gagnions une bataille. Et nous toujours dit, peuple cap lutter, peuple cap bataille, pas jamais perdre du bataille parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Peut pas jamais perdre du combat. Peut pas jamais perdre du bataille. Dans la guerre, il y a plusieurs phases dans la guerre. Il y a plusieurs combats. Ou qu'a perdu des soldats. Même garanti ou. Et pour une conviction. Ou c'est majorité a, ou pas perdre du bataille. Ou ap qui y a une guerre quand même. Et monsieur yo, pas en pile. Yo vraiment, vraiment pas en pile. Nous pas capable quitter yo, fini avec nous comme jeunes. Faut que nous fassions tout ça que nous capables pour nous éliminer classe politique ça. Et je dis bien très bien. Ça va vivre là comme peuple. Situation qui est compliquée pour nous, qui fait que monde pas capable vivre dans le pays, qui fait que tout jeune ouais que seul espoir qu'elle gagne c'est quitter pays là pour réussir dans la ville. Seul comme si chaque jeune dans le pays comme si m'a dit depuis la pensée comment tu capable quitter pays là pour sauver la ville. Pays pas capable l'enfer pour la jeunesse. Si Haïti on l'enfer pour la jeunesse, l'idée on l'en fait pour tout nèg qui a fait politique. Haïti pas qu'à 12 pour un petit groupe seulement. Haïti doit 12 pour tout haïtien. Parce que nous tous c'est haïtien. Haïti pas qu'à 12 sucré. Pour si, il y a tout privilège qui est disponible pour un petit groupe seulement. Non. Si il y a un privilège, tout haïtien doit privilégier. Parce que nous tous avons même droit. Haïti pas qu'à 12 pour un petit groupe moun seulement. Haïti doit 12 pour nous toutes. Si Haïti difficile, il doit difficile pour nous toutes. Si Haïti compliqué, il doit compliqué pour nous toutes. Si Haïti son du feu, son l'enfer, Haïti doit l'enfer pour nous toutes. Mais il pas qu'à l'enfer pour majorité haïtien. Il doit l'enfer pour criminel ça yo tout. Parce que politicien aujourd'hui, c'est premier monde pour nous, mais poser jalon nous pour nous comment nous pral fin avec yo. Pas n'importe qui, Jean. Ou de toute façon qu'on capable de finir avec politicien. Parce que Jean Gamoun n'a pas toujours dit, il y a plusieurs façons de manger manioc en mai. Et ça, c'est important pour que nous connaissions ça. Nous pas capable de deal avec politicien ça encore. Vous décidez de détruire le pays n'importe qui, Jean. Ou est-ce que vous préparation, ou est-ce que en mission pour faire nous ça, faire nous là. Vous pas besoin de pays à changer encore. Yo besoin détruire Haïti n'importe qui gens. Yo va regarder après. Yo fait tout ça que yo pas capable pour yo prendre pouvoir. Et là yo fin prendre pouvoir, yo kembe avec violence là pour payer capable rester là. C'est que objectif là, c'est kembe Haïti dans état qu'elle trouver là pour payer pas jamais changer. Et ben je dis m'vinn dire que il faut que nous fait tout ça que nous connaît pour nous permettre que Haïti sorti en bas griffe nèg sa yo. Si c'est mourir pour tout mourir, même gens yo fait plus passer 30 l'année à assassiner nos préfets politiques là, et ben nous capable tout et tout pour nous capable libérer pays ça. C'est pas une déclaration verbale ou bien violent que lié. Non. Nous peut-être dit ou même ou doit dire pour que ça monsieur dit comme ça. Non. Nous dit comme ça parce que pratique là l'a fait sur nous chaque jour, moun yo kidnappé en Haïti vrai, yo tuer moun yo vrai, yo bouler yo vrai, yo violer femme vrai, yo tuer petit bébé, yo tuer pasteur, yo tuer prêtre, yo tuer vaudouisant, yo tuer ingénieur, yo tuer tout connait, yo tuer toute classe de moun dans société là. Nan ki nan population civile là ou du moins comme citoyen. Mais nous-mêmes, si c'est seul grain ça que nous gagnons comme outil, disons parole violent qui cap vini avec une stratégie violent pour stopper pratique violence cap fait sous nous capable dire et chaque jour nous obligé répéter parce que c'est seule option que nous gagnons. C'est dit de parole violent qui capable fait criminel cap fait pratique violence sous nous stopper. Et nous dit ça très bien. Politicien touyer c'est parce qu'il pas une monde qui pour touyer. Parce que la justice couvre il. La justice prend en otage par des kidnappeurs qui ont les têtes aux juges. Pas gain la justice dans le pays d'Haïti.
Je dis si vous voyez un mandat, vous mettez tout filet zamou, mettez zamou là pour défendre tête. Parce que les juges qui voient un sont criminels, sont assassins, sont gangs qui sont gang avec des politiciens et des gangs qui ont kidnappé sur le terrain. Pas un juge. La justice pas existé en Haïti. Sinon, Ariel n'est pas capable de remplir la cour de cassation avec des qui ont été juge dans la cour de cassation. Ariel n'a pas de pièce légalité, pièce légitimité pour te mettre juge dans la cour de cassation. Parce que c'est seul le président de la République. Et nous connaissons pas coulant qui j'en prenais griver juge de la cour de cassation. Nous n'avons accepté pour vivre là comme juge et président de la cour, me garantis ou plus que yon criminel, ou pas gen légitimité, ou pas gen droit, ou pas gen moralité pour juger personne dans le pays. Et c'est comme ça que lié. Nous devons servir avec ça. Et ça yon plus que révoltant. Est-ce que nous d'accord avec nous? Nous devons camper pour nous défendre ça. N'importe qui j'en, faut que nous battons contre monsieur yo. Et c'est nous qui avons gagné un combat. Nous pas qu'à jouer avec des criminels nos droits. Mais si vous ne respectez nous comme peuple, mais si vous êtes méchant en pile, et bien dans ce sens, ça me vient de dire que vraie bataille là, c'est bataille contre la classe politique traditionnelle haïtienne. Depuis nous faisons, ou affaiblit tout oligarque. Depuis nous faisons, ou affaiblit même blanc qui a plein pour lui chaque jour, que vous faites plein pour lui, qui n'est pas vraiment problème dans vrai. Il est là, mais il n'est pas vraiment problème dans vrai. Premier problème, c'est qui est-ce qui toujours a gommé pour lui venir chef ou. Pour qui ça l'a gommé pour lui venir chef ou? C'est parce qu'il existe, en nous faisant suspendre exister. On fait voler qui était rien. On fond yo en deux. Et bien c'est ça que jeune capitaine Ibrahim Traoré fait. Monsieur fond politicien en deux. Fait fermer bec yo dans pays ya. Ça pour mourir. Il y a pour la mort des tête yo. OK? Et puis lui même il campe avec jeune ni bon côté, population supporte elle et puis il a fait ça pour le pour le faire. Tout politicien qui là de pour pas veut mourir, fermer bec ou. Et Burkina Faso c'est ça. Non mi temps boule figure politicien traditionnel yo, pays ya de jeune Burkina bien décidé pour que li bay capitaine Ibrahim Traoré yon mandat pour 5 ans sans parler dans l'élection. Yeah. Jeune yo dil, yo parle dans tout média, yo dil tout côté, et bien quelque part sondage en fait, yo c'est presque l'unanimité qui fait. Bon côté peuple Burkinabé, et bien yo bay mission un mandat pour 5 ans sans parler l'élection. Après 5 ans, c'est lui qui va décider qui ça va le fait. Peuple qui a renouvelé mandat pour lui pour 5 ans encore. Mais pas rien jette ça non, son jeune qui prend des stèles en main. Et bien, il commence. Comme Anna Guy Philippe, je dis, hein, nous-mêmes comme jeunes, nous disons que nous avons accompli comme leader. Nous campons de côté comme Anna Guy Philippe comme leader. Faut que c'est vous-même qui, dans 25 ans, qui dans 35 ans, je dis, qui pour accompli Guy Philippe. Parce que les gens volonté, les gens qui ont envie de offrir nous, nous prend ça, la Guy Philippe avant d'aller. Et bien, je dis, je dis que il y a une liste de monde qui nous doit gagner comme dirigeant en dans pays ça, dans le temps que vous venez. Et depuis jeudi, pour nous préparer. Moi, j'ai une liste que j'ai commencé pour partager ensemble avec nous depuis hier. Et je m'a demandé pour nous commencer, pour nous continuer à garder la liste là. Pendant que nous allons parler, alors, et tout de suite, nous allons parler de jeune capitaine Ibrahim Traoré. Pour nous montrer que, mais pour qui raison que vous-même, comme jeune, vous devez prendre responsabilité, prendre engagement pour que nous sommes capables de faire une vraie bataille pour nous permettre que le pays en libéré. En avance. Nous disons que, moun ko dwe gagner. Comme leader, comme moun, qu'on doit mettre dans tête pays ça, ou de commencer à préparer pour le moment. Eh bien, moi, je commence avec une liste. Un, je dis que nous avons Guy Philippe. Nous devons gagner comme leader, comme chef dans le pays d'Haïti. C'est au cap qu'on est qui doit mettre, parce que si c'est dans le palais ou si c'est dans le primatulant. Deux, nous avons gagné Martine Moïse, madame ancien président Jovenel Moïse. Trois, nous avons gagné commissaire Jean-Ernest Muscadin. Et ou capren koto ap metel. 4. Ou ap gen maître Lucman Delisle, ancien commissaire du gouvernement, ancien ministre de la justice et de la sécurité publique. 5. Ou ap gen ancien ministre travaux publics qui se ministre Nader. 6. Ou ap gen madame Wydeline Pierre. 7. Ou ap gen ancien ministre de l'éducation nationale qui se Agenor Cadet, nèg compétent. 8. Ou ap gen Wyclef Jean, haïtien américain, garçon canson. Ça nous prend la 9. N'a besoin Jacques Sauvé Jean, dit Jacquito, nèg Nord-Est. 10. N'a gagné pasteur Moïse. 11.
n'a pas professeur Salim Souka, historien. 12. Ou de gen combattant conséquent avec conviction, Rosemont Jean, ou gen place li, ou gen espace li kou ka metel. N'a pas ti pour. 12 maintenant, Reginald Delva, n'a ki gen expertise dans affaires sécurité, pas quitter le derrière. Pas quitter le derrière. Et puis ou même, continuez avec l'islam pour nous. Parce que l'exercice ça n'a pas fait ensemble avant chaque jour pour nous libérer Haïti. Mais ou même comme jeune, fait bataille là. Et puis pour capable mener pays à côté de Menel. Ou peut-être pour demander Mbeto, qui place ou? Qui wolo? Mabdou, ou le pam nan map joué là. Et n'a très bien joué. L'islam toujours, si nous capable prendre 12. 12e l'an, n'a prend pasteur Kayo, Haïti qui remet Haïti. Gou paquet encore qu'on a utilisé. Ou dire en nous baillon bourrade pour parce que pays ça, la jeunesse pral dégapi la classe politique traditionnelle avec violence. Défaite faut que des monde de bien qui pour venir prendre pays ça pour mettre stabilité à qui met stabilité à en permanence. Parce que non seulement nous pral faire violence là pour nous éradiquer politiciens et nous pral sécuriser violence qui nous te fait. Ah, pour nous aller droit alors droit vers stabilité. Nous pral faire une violence pour nous stopper pratique violence qui a fait sur nous chaque jour par politiciens yo. Et bien de fait, nous pral camper red pour nous sécuriser violence qui nous te fait qui a mené nous droit vers stabilité. Et bien violence doit faire sous politiciens yo pour nous libérer Haïti. Nous yo vann zam yo bay zam. Nèg yo touye moun pou justement avancer agenda politique yo pour capable contrôler territoire le gain élection pour capable prendre pouvoir par tous les moyens. De fait, nèg sa ou pa dwe exister sur le terrain. Nous même comme jeunes, nous pas capable continuer avec monsieur sa ou dans pays ya. Et c'est si nous devons faire tout ça que nous capable pour nous éliminer nèg sa yo et comme si disparaître présence yo sur le terrain parce que Haïti pas capable continuer et pas gen pays sous la terre cap jamais capable comme si avance avec qualité moun sa yo comme nèg k'ap fè politique la dedans parce que yo méchant nèg yo volé yo sans cœur yo vicieux yo met dam yo coquin yo sans koutcha et puis c'est yo qui doit qui voulait rester comme dirigeant tout temps yo voulait imposer toute qualité dictée pendant c'est yo qui met problème nan et ben de fait nous doit éliminer yo sur le terrain comment pour le faire gon système qui établi et me dit nos système nan son entreprise qui lié gen pèl moun k'ap travaille pour lui politicien c'est véritable pion pour des systèmes dans régénérer tête li. Chaque système dans pral affaibli, c'est politicien qui rassure le que il fait système dans régénérer tête li. De fait, politicien yo doit éliminer par tous les moyens. Et doit filer quelque soit manchette là dans non politicien. Filer quelque soit rachet là dans non politicien. Gasoline allumer tout de préparer dans non politicien parce que c'est yo. Je dis si ou même comme jeune ou pas espoir dans pays d'Haïti, c'est politicien qui prend espoir. Parce qu'il pas possible. Nous tout pas ka pauvre. Nous tout pas ka nan grand goût. Mais c'est nèg yo détruit Haïti net pour que ou même ou pa jenan rien. Son seul bagage k'ap mache Haïti, c'est voler. C'est seul voler sou moun Haïti, c'est seul voler k'ap manje, c'est seul k'ap tue moun k'ap manje, c'est seul k'ap kidnapper moun k'ap manje, c'est seul k'ap voler comme l'état k'ap manje, moun de bien pa ka fonctionner? Non. Nous dit c'en est assez. Abraham dit c'est assez. Dans sens ça, nous même en tant que jeune qui engagé dans véritable bataille ça, nous dit définitivement, il faut que nous rentrions à fond dans le combat ça et nous faisons dans toutes dimensions, non seulement nous parlons paroles là, Jean Kelier, et nous prenons des jeunes pour faire jeune deal là, et puis capable d'outil avec véritable solution. Entendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Capitaine Ibrahim Traoré. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisé les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition,
vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé. Merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident la FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. On reprend ça pour nous. Pour nous comprendre, raison qui cause Guy Philippe obligé de parler très souvent, communiquer avec le peuple très souvent. Parce que leur pas parler, yo même yo communique en pile. Et c'est manipulation qui va le terrain. Et bien, le ça, yo va contrôler l'opinion. Yo va le désorienter comme jeune. Yo va le faire pas croire dans l'idée là. Et ça, c'est yo même qui va le finir avant. Yo va le faire goumer contre propre tête. Parce qu'on va l'attaquer, moun qui a volonté, qui bataille pour vous. Parce que quelque part, on pas faire confiance. Mais faut que nous tendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, pour le, nous même, nous parlons ensemble avec vous, pour capable tendez et comprendre nous, pour pas croire dans sa voix. Criminel qui parle royo abdi ou. Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef suprême de l'État dans le pays Burkina Faso. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Wayia, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident la FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Justement. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Exactement. Okay? Parce que ce qui s'est fait, on a rappelé nous sous président Jovenel Moïse. Le Jovenel Moïse vient comprendre l'innécessaire pour qu'il communique avec le peuple très souvent. Jovenel Moïse utilise une stratégie éclairée que la jeunesse a cap gon facilité pour communiquer ensemble avec elle, a tendre. Jovenel Moïse fait une émission qui était les causeries avec peuple live sur Facebook et tout l'autre monde a pris l'émission. Il dit qu'on marche en pile monde était branché. Message en privé. Et que ouais que Jovenel Moïse a utilisé technologie à bon escient et puis pour monsieur capable mener vraie révolution dans l'état. Et que dit nous pour passer dernier coup de clé. Et là on a que tout président. A dit nous ça pays. C'est pour jouer non lié. Jovenel Moïse attaquer problème dans dimension loin. Jovenel tal nan racine problème nan. Li tal nan racine problème nan. Li attaque l. Mais ça que Jovenel Moïse pas de faire. Et c'est ça que m'vin di nou an. Pour faire ou même, an kase zel neg yo. An kase bra neg yo. Ki bra neg yo, c'est politicien haïtien. De pou pren plaisir ou pren responsabilité ou mette kanson nan ta yo. Ou attaque politicien nan dimension pour attaque yo a, m'garanti ou. Éliminer sous scène politique lan. Éliminer action. Ou du moins stopper action que les gars qui a posé dans le pays, c'est très facile. Parce que le ou en face, le camp en face, ou en goum en face, eh bien, justement, c'est politicien que vous voyez venir attaquer. Ou. Et c'est ça qui est important. En nous tendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui parle avec nous. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara.
Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Allez, oui. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste: allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Maintenant, nous prenons pour nous entendre avec un pile intérêt, jeune capitaine Ibrahim Traoré. L'abdétrou pays, regardez comment il pose jalon. D'accord? Mais comment vous posez jalon, mais comment que vous utilisez, mais comment vous faites manipulation, yo? Mais comment vous utilisez communication, mais comment vous utilisez la presse, et regardez la presse traditionnelle en pays d'Haïti, si ce n'est pas exactement ça, M. Abdoulan, vous faites population pour que vous permettez population pas jamais comprendre la réalité, pour ne pas jamais prendre responsabilité, pour la quitter, criminel, vous continuez à détruire le pays. Même peuple ça qui est criminel, assassin politique, qui détruit le pays, c'est même peuple ça qui toujours prend la rue pour la passer, pour aider politiciens en bataille contre moun qui ka aider le sort dans sa culture là. Et bien, yo fort bataille contre propre tête tout. Et bien, c'est la presse qui est de nèg yo gérer ça. Contrôler l'opinion, communication, gérer ça pour faire manipulation. Et bien, ou même comme jeune dis, technologie en permet tout en pile bagaille. Réseaux sociaux en permet tout en pile bagaille. Les mettant pile outils à la disposition. Utilisez yo à bon escient. Prends temps, on fait recherche. OK? Pour comprendre.
leur gen gen de situation ça qui présente dans pays ou à chercher parle avec des moun y a bord des références dans livre pour lire on se des bagages pour garder comment pour chercher comprendre ni si ça là comme ça qui ça fait le cas là qui ça qui ca venir comme solution qui ça fait qui ça nèg utiliser comme stratégie pour kembe dans situation ça ou même comme jeune faut qu'on fait recherche papa et comme ça que lié parce que pour parler de ça on parler hein, faut comprendre ni très bien faut comprendre ni très très bien pour parler de lui et c'est là ça nèg vinn ou pi danger comme il traite pour yo et c'est ça nèg te ouais Jovenel Moïse pas utiliser zam pour le combattre nèg mais façon que Jovenel Moïse aborde problème nan nèg vinn ouais Jovenel Moïse pi danger qu'on bombe atomique pour yo mais c'est dans sens ça yo obligé à la caille président yo éclater parce que yo même solution pa yo c'est tuer yo pas convaincant yo pas ka faire débat yo pas ka faire dialogue pas ka faire yo combat sur le terrain pour prendre pouvoir non y a tuer parce que système pa yo c'est avec violence qu'elle fonctionne et bien c'est dans sens ça que on est au kembo pays avec violence pendant que y a 20 zam y a 20 cartouches ça on connait pas le faire pour tout haïtien pour kidnapper haïtien mais n'a décidé faire véritable capital li dans trafic zam nan dans trafic balle nan dans trafic d'organes nous fait toute qualité ça dans pays pour tuer qui est pour détruire qui est haïtien pour détruire pays Haïti et puis continuer c'est lui qui vous mettez chef c'est lui qui vous mettez dirigeant comment pays ça va faire développer en tant que capitaine Ibrahim Traoré vrai révolutionnaire. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les soutes d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Ber, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Nous-mêmes m'a dit nous que, pardon, je suis désolé, alors n'a pas une motion. Et c'est un plaisir pour moi pour que naturellement moi tendez capitaine Ibrahim Traoré ensemble avec nous et m'a suivre monsieur de près moi regarder toute actualité et ça qui a passé dans pays Burkina Faso moi regarder fonctionnement monsieur et puis me regarder volonté réelle qui gagne la cage jeune garçon ça pour monsieur faire tout ça qu'il capable pour pays il monsieur pas décidé toucher prendre jus de comme si
li doit gagner sécurité normalement l'état doit ça parce que chef de l'état gagne un fonctionnement gagne un protocole quelque part vous comprenez pour gérer sécurité ou. Mais l'argent pas intéressé monsieur c'est payant d'abord parce que monsieur estime que depuis Burkina Faso a marché bien les mêmes richesses ici dans ça c'est pas l'argent beauté l'argent dans l'état et ben monsieur finalement joine entente là avec un pile monde qui travaille dans l'état pour que yo réduit sous salaire yo et ben des fêtes pour que yo capable joindre un pile l'argent pour investir la sécurité paysan, pour investir dans aider population et des paysans yo planter pour que yo capable de bay tête yo manger. OK, ça veut dire que c'est son conscience qui prend bon côté population hein, bon côté autorité concernée yo con volonté qui dégager con volonté politique réelle pour réforme dans fête dans l'état pour réforme dans fête dans pays mais les fêtes où la population li répond à l'appel li senti une volonté ça la caille dirigeant yo et ben population li même li accompagner dirigeant yo li supporter dirigeant yo dans décision qu'il a prend et ça qui fait monsieur vient devenir un homme fort à Burkina Faso l'homme s'est parlé la tête tremblée dans Burkina pays Burkina Faso mais les fêtes Vladimir Poutine décide supporter jeune ça et supporter peuple burkinabé avec un pile matériel pour capable combattre les terroristes, les banditismes dans le pays et Burkina Faso. En avance avec jeune capitaine Ibrahim Traoré qui a bien déposé. Les valets locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Ça va exister. Et c'est ça qui est exactement le problème dans le pays d'Haïti. Nous pas capables de chercher solution problème qui nous gagne cap fin avec nous depuis plus passé et 4 années là réellement. OK? Jalon qui nous mettez. Ou pas capable chercher solution hein, avec même élément qui constitue le problème. Non. Même monde qui a un problème, nous pas capable chercher solution ensemble avec elle. Il pas jamais jouer en faveur pour une solution. Ou pas aider pour monde venir. Yo qui t'a capable depuis pas un contrôle ou yo attaquer ou mais qui est ce qui entoure gars ikoni c'est moun sa yo yo il était yo expert dans affaire sécurité qui est ce qui pose jalon pour mener là dans insécurité généralisée c'est eux même comment on comprend que yo baga qui bon pour nèg qui n'a avantage qui fait au millionnaire à la seconde que personne pas capable poser aux questions comment penser que yo même encore pas le tirer pour c'est yo qui metel ou pas qu'une solution avec yo défaite c'est combattre pour combattre yo. Et vraie bataille pour nous faire, c'est combattre nèg sa yo qui soit disant dit, y a fait politique en de pays ya. Et nous devons éliminer yo par tous les moyens. Parce que seule option qu'on gagne, seul choix qu'on gagne, seul espoir qu'on gagne, c'est retirer nèg sa yo devant là comme politicien. Et pour avoir un espace temps libre comme jeune pour capable placer, moun qu'on veut et placer tête ou tout, quand on veut mettre tête ou comme jeune tout. Parce qu'on a une responsabilité pas ou pour qu'on prenne en de pays ya. En avance. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. En Burkinabé, justement.
ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. Automatique. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à craindre. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants. Jamais. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Claire, nous mettons mise en garde. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que je dis, ou même comme jeune, ça que fait moi dis que moi pointer et génération PAM là, directement du doigt, parce que nous avons responsabilité. Et moi connais douleur. Moi connais que yon jeune qui dans génération PAM là, qui peut être a regardé nèg ça ou prendre ça comme exemple, il est difficile pour ta sérieux dans la vie. Ah oui, c'est clair, c'est difficile pour ta sérieux parce que pas oublier. Nous fait en dedans comme si Mdadjo et le système ça vraiment mettre pied la terre comme si mettre outils poser jalon pour mener nous aujourd'hui là parce que yo prend pays en 1986 et 86 à nos jours, il t'a gagné environ 38 l'année. Et nous même qui gagnons 28 ans, 29 ans, 30 ans, ça veut dire ou grandi en dedans système ça. Ou gagne l'esprit en dedans, ou l'école en dedans. Défaite ou pas d'esprit sérieux. Et l'on regarde ces gens qui font politique, qui dirigent le pays ou pas d'esprit. Ou pas d'esprit bon monde.
mais sous gonti crasse moun la ka toujours ou prend temps ou réfléchir même j'avais faut dire tête ou clairement ou gen faut ou gen meilleure façon meilleure formule pour éradiquer moun sa ou là et c'est seul espoir que nous gagnons c'est dépatcha éradiquer bande konze sa yo bande traite national sa yo k'ap détruire Haïti au profit d'un petit groupe de monde et d'un petit clan étranger qui pas Haïti changer en avancé. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Jamais. Quiconque. Mais c'est parole pam ça. Dans le moment ça, nous n'avons pas de sentiments de, pour nous tolérer vagabond ça ou encore. Même j'ai eu même pas de sentiments. Comme si nous avons dit, il n'y a pas de pitié pour nous. Mais nous, pas de sentiment, pas de tolérance encore. Vous faites nous mal assez, vous faites nous trop de crimes, nous saturer. Récipient, les plein, de fait, les déborder. Mais dans ce sens, nous révolter. Nous révolter. Et nous montrer, nous devons montrer que nous en colère. Nous devons montrer que nous fâchés, nous nerveux, nous estomaqués et nous passer à l'action. Et nous faire n'importe qui, gens, quel que soit ça qui est venu comme critique, là, après quelque part, c'est félicitations qui sont venues pour nous. À nous combattre nèg yo quel que soit gens saillant dans pays parce que nèg yo pas sérieux yo pas honnête yo pas moun yo pas un caractère comment tu ka comprendre nos pays monsieur pour moun ap mouri et pour tout nèg ap toucher l'argent l'état ap joui gros privilège non monsieur non mon cher même dans rêve en avancé capitaine Ibrahim Traoré qui ton commentaire peuple haïtien sur mes émission qui ton commentaire qui ton mot d'encouragement c'est très important et puis écrit non moun ko vle comme dirigeant yo nan jok ki pou vini nan tank ki pou vini yo nan comme si nan tank ki pou vini yo an avanse quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme il sera traité comme tel revenant à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient. Qui était donc prêt pour l'évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. À la parole. Et je pense que les Wayi sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État, putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc, à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Oui, lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger
qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmes lettres qui sont au Niger? Des combattants qui le voient. Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Ça qui est différent par rapport avec différent par rapport avec contexte panouan, c'est que monsieur Gagné l'armée la disponible. Ça veut dire que monsieur l'a parlé, mais le Gagné il a bois armée légale l'armée, OK, Burkina Faso, Burkina Bayan, et puis lui met tête ensemble avec Niger qui gagne général Tchani comme actuel président de la transition, chef suprême de l'État et chef l'armée, OK, qui était c'est met tête avec Assimi Goïta qui c'est un autre militaire encore, un jeune garçon dans pays Mali, et bien il met tête ensemble trois l'armée ça met tête ensemble prêt pour n'importe combat qu'a fait là. Et en Afrique n'a que fin extrêmement puissant dans le continent africain parce que n'a que jeune support la Russie et la Chine. La Chine a fourni de matériel, la Russie a fourni de matériel et au niveau technologie, on va pas mentir, la Chine décidé accompagner monsieur yo. De fait, n'a bataille dans toute dimension avec quel que soit pays qui décide mais quitte ou quitte peuple pour l'esclavage au profit de ça nous capable briller. On nous dit la France là. Un pays qui a prêté sous domination, la France là. Et qui a une influence quelque part. Dans le continent africain, on met quoi, monsieur Vlé? Dans la fin année 2024, là, ou quand je n'ai pas deux coups d'état fait encore. Ou quand je n'ai pas deux coups d'état fait. Il y a 6 USA. Il y a un jeune. L'autre pays qui a fait coup d'état. Tout de suite après, un jeune support. La Russie et la Chine. On avance. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils partent prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Oui. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Nous payons, oui.
Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais c'est sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions
sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. C'est ça qui est important pour qu'il nous connaisse. Monsieur Sao qui en bas, qui c'est des esclaves de salon que oligarque observe avec pour détruire Haïti, tuer président, tuer toute mon population, il ne peut jamais changer, comportement ne peut pas changer. Seul moyen qu'on capable de jouer une solution sur ma veille, c'est éradiquer yo par n'importe qui moyen. Fait n'importe action pour éradiquer yo, rendre yo pas là par n'importe qui moyen, parce que yo extrêmement violent et c'est seule la violence qui est capable de mettre frein dans action yo, capable faire suspendre faire violence là. C'est comme ça que lui. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça qui est important. Bon Dieu parle mais pas ici. Bon Dieu parle mais ignorant. Et bon Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et bien justement, lui-même attaque Burkinabé avec peuple Burkina Faso, hein, de fait, tu campé, tu dis à bataille. Et bon Dieu dans le ciel là, à guider. Et c'est ça la question. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Monsieur, c'est laver la vie continent africain parce que tout continent africain n'est attendu, monsieur. Et vous dites, monsieur, son révélé, comme si nous son réincarnation de Thomas Sankara. Et en Afrique, en pile dirigeant, ouais, monsieur, comme une menace. Et ça cause après, il est toujours comme si penser des attaques et vous même se préparer avec toute éventuelle attaque. Parce que monsieur, vignon menace pour tout ancien dirigeant corrompu africain qui sont des esclaves de salon. Parce que monsieur a réveillé tout peuple africain. Et on respecte M. Pile. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Justement, l'arme fatale de l'impérialisme, c'est manipulation à travers la communication. Et c'est ça qui est important pour vous-même comme jeune, pour qu'il y ait une dimension, pour qu'il y ait pour comprendre. Prends plaisir. Fais recherche. Prends plaisir. Et comprennent
et puis prend bonne décision. Monsieur qui parle là, monsieur bon jouet. Monsieur c'est fun, monsieur fun dans le continent africain. Monsieur va venir jouer. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout cela qu'on sous-doit pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Oui. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc, des différentes villes qui veillez jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Debout justement. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDF et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort nous vaincra. Mes paroles là. Aïe, aïe, aïe. La patrie ou la mort nous vaincront. Et c'est ces paroles. Et jeune capitaine Ibrahim Traoré, avec peuple Yan, qui ont les Waïa, peuple Burkinabé, les combattants conséquents, vous comprenez moi, qui campaient pour défendre patrio. Et monsieur son leader définitif, ok? Et c'est toute l'Afrique net qui a les yeux sous monsieur, parce que monsieur vraiment influent, parce qu'ils sont jeunes, monsieur sont jeunes, qui gagnent 35 ans maintenant, 35 après 36 ans, monsieur gagne, monsieur fait un impact tête chargée sur jeunes Burkinabé dans le pays Burkina Faso. Parce que monsieur a goumé en pile, monsieur a décidé pour le poser jalon, pour la jeunesse accompagner, pour mener une vraie bataille ça, pour aider Burkina Faso sorti la situation difficile et en pile peuple africain sorti la condition difficile. Et m'a dit nous ça, leader ça on a gagné yo et nous gagné en Haïti. Nous gagné en Haïti, sauf que moyen politique yo on ti gens manqué nous. Mais nous gagné yo. Le fin temps de monsieur tande cap tande commandant ça. Parce qu'on va pré-ressembler. Tout ça qui va passer, tout ça qui va venir passer, c'est sous responsabilité de l'ambassade américaine à tout le monde qui a été Ariel Henry illégalement dans notre pays. Nous allons faire transition peut-être. Faut que transition. Mais cette fois-ci, c'est Haïtien qui a décidé. C'est nous qui avons décidé. C'est pas l'ambassade qui vous décide. L'illégalité pour l'ambassade, suspend décider. Qui est-ce qui a chef police? Qui est-ce qui a chef l'armée? Qui est-ce qui a premier ministre? Qui est-ce qui a président? L'ambassade la fait ce qu'elle dit qu'il est pour nous danser, danser ou de coucher avec madame nous. Tellement l'ambassade la pense pays à ce boulier. Il a le temps pour reconnaître que Haïti est petit lit, qui est petit lit crème lassé, pour bailler ville, s'il est nécessaire, pour nous jouer à Haïti que nous besoin. Dans la révolution, ça, moi dis, ma prédile encore, faut que nous croyons là-dedans, faut que nous croyons, il va pas faire ça peuple là, il va pas faire ça nous. Mais on promet nous-mêmes qui sommes pour une bataille pour le peuple là, nous-mêmes qui voulons faire changement ça. Bataille que nous voulons mener contre le système ça, contre le statut quo ça. Il y a deux issues possibles. Ou bien criminel qui va appeler Haïti passer sous un trail nous, ou bien nous passer sous yo. C'est quoi ça vous liez? C'est seul jour que nous jouons Haïti que nous besoin. Encore une fois, mes amis, nous allons mettre. Moi dis nous merci. Moi dis nous merci parce que nous baillons. On exemple le canal ça. On exemple que Haïti qui a mis ensemble. Que nous avons unis nous. Même force qui unit nous pour nous faire canal ça. On est unis nous pour nous jouer une force pour nous retirer Haïti dans sa liala. Nous capiel. Si nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Si le problème est sécurité avec le pays, non, moins que 90 jours, nous ne pouvons résoudre. C'est mon problème grave. Il a Noël, mais nous avons résoudre. C'est Ariel, c'est l'équipe Lyon. C'est allez bien, oui. Problème de sécurité qu'on gagne, hein? Il est capable de résoudre en moins que 90 jours. L'autre ou bagaille comme ça, ou même comme haïtien conséquent. Est-ce qu'on est capable de pour garder des nègres qui ont beau en otage pour ne pas sortir? Nègre la vini, alors yo vini, soi-disant comme autorité, yo ken beau là. Depuis on moun parle de changement, yo fait tout ça que yo connaît pour attaquer moun sa dans toute dimension. Yo fait toute qualité zak malhonnête pour yo ken beau la yon situation difficile. Mais m'a dit ça honnêtement.
ou ka bataille. OK? Ou ka bataille. Mais c'est nous qui pour mettre tête nous ensemble. Pour nous aider pays à sortir la situation difficile effectivement qu'il est trouvé là. Prends engagement. Prends responsabilité. Et m'a dit ça très bien. Haïti a besoin route li. Pays ça a libéré. Et ceci par tous les moyens paysan a libéré. Nèg yo méchant. Oui, yo méchant. Mais c'est tête nous pour nous mettre ensemble. Pour nous combattre yo. Son véritable responsabilité. Son véritable engagement. Mais c'est nous OK? Qui pour prendre engagement. Combat pas facile. Mais c'est responsabilité chaque grand dans nous. Comme haïtien conséquent pour nous permettre que pays en souti, l'entrée difficile, effectivement, qui les trouve là. Même si nos combats pas faciles, mais c'est nous, naturellement, qui pouvons mener. Comme Anna Guy Philippe Egen. Que Thomas Sankara a planté et germe une révolution en 1923, le droit de pouvoir et au niveau de la Burkina Faso. C'est 40 ans après, un jeune pas qu'on fait, le monsieur a parlé de révolution pour le faire, qui a arrivé à faire révolution pour la réalité. Donc si les salines blanches j'aime justice sociale ça, depuis deux siècles, ouais, jusqu'à présent, pas comme fleurir en Haïti, c'est le système enragé, mais nous sommes plus forts que le système. Que pourtant les ambassades américaines, France ou Canada, ils sont puissants, mais on a tout puissant. Okay. Seul bon Dieu tout puissant, et c'est seul peuple qui a parlé de bon Dieu. N'a bien, mon garantie, n'a bien, n'a bien, pour les populaires, si nous battons avec condition, si nous pouvons, il faut qu'on pouvait, les batailles n'est pas campé. Bataille a toujours continué, on a toujours là pour nous dénoncer et défendre ça pour défendre le peuple haïtien. Okay. Donc, bien que vous nous quittez vos critiques par rapport à cet évier, l'un qui connaît que cet évier va prendre le terrain et l'autre n'a pas de mise en sous, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas préserver et nous venons gagner des sables qui arrivent des avions, mais maintenant, on silence qui est fait, on silence absolu. Côté que, pas j'ai entendu et voir question ça, c'est du savoir, et qui ça s'appelle pour vous par rapport à la critique de vous. Il va se dire, il va bien rien, la presse traditionnelle qui compte les révolutions. Comment pensez les journalistes pour vous amener, train de vie à venir? Le moyen, on va se dire, je dis combien il y a de pays, comment vous avez une vie là? Comment pensez vous avez un bon bateau, un bon voyage? Comment vous avez un bon gars? Les gens vivent. Ils vivent dans 20 000 pour nous, c'est machin de vous. Et il y a crasé le pays seulement pour qu'on ait ce niveau et la vie de l'air. Pas tout. Et je vais en mais il y a différentes différences. Mais malheureusement, le bois de ça n'a pas les messages là, c'est ça avec 20 ans ambassadeurs, de besoin de visa, de besoin de vidéo dans les 4 juillet, dans le 14 juillet, ambassadeur de France, ambassade américaine, le besoin de la société à parler avec bourgeois et comment on peut regarder, l'argent manière aux deux, dans quel soit l'argent en fait nous. Et même si c'est les souverains des pays, regardez. Donc, nous devons tout, ce qui tue ça, tout, n'est-ce pas,
Il nous frappe avec force. 7 février, il y a un débat là, tout le monde demande sur la CBL. Tout le monde demande sur la place. Tout le monde connaît que nous devons faire en route pour nous aller à Carabiver. Nous devons commencer un mouvement réel 7 février pour nous capoter le système. Mais qu'est-ce qu'on fait? 200 fois, nous voyons des mondes en tenue et baptisé policier parce qu'il y a un pile là dans la police. Mais que la police même accepte le DCO. Ils ont trouvé 7 nègres sur les champs. 3 le monde y avait. 8 mondes, qui va faire un, qui va tirer un grand arme, qui va jamais menacer la vie policière ou la vie monde. Seulement parce qu'il a sorti pour accompagner, pour mener un canapé vert, pour un route que nous avons fait avec le peuple. 8 grands nègres perdus la vie. Parce que le point de vue. Donc, nous qui disons que nous sommes dans le même. Et vous comprenez qui est-ce qui est pas dans ça. Vous comprenez qui est le monde qui est responsable dans mon sable. Et dans mon sable, c'est Ariel Henry à l'ambassade américaine. C'est sous mes, sous Paul, sous yo, c'est yo criminel là. C'est le bien simple là. Et la même. Si on tue, et il est bien. Pas comment c'est lié à Bézou, il est pas comme dit. C'est la police nationale sur Ariel Henry avec l'ambassade américaine, avec des mondes aujourd'hui des nationaux qui assassinent. Ok, c'est l'objectif qui assassinent. Ok, bonjour. Donc maintenant, il est là, nous le comprenons. Maintenant, et le moment où on parle de l'évolution, n'est-ce pas une préparation qui fait comme si on était parlé avec la police, la Haïti, tout est mis dans la tête. Parce que 7 février, c'est ça, quand le peuple attend, automatiquement, on descend la terre, et puis tout le monde qui veut bailler, et puis pour arriver, chaque système rend bizarre. Mais moi, ce n'est pas ça que fait. Donc maintenant, je veux dire, nous, je veux vous dire que. Après bataille pour le plan, est-ce que le cas d'une belle bataille bien et nous cas dit nous comptons le cas ça. C'est que des fois on nous boumé et pendant que nous boumé, on cap un coup, on tombe, mais tout autour des jours, on continue de boumé. Donc je dis en par rapport avec le collège ça, qui arrive installé, est-ce qu'on ne peut pas penser que la bataille va être plus difficile pour vous pour arriver dans le pouvoir? Je pense que au contraire, la bataille est plus facile pour là. J'ai entendu que là, ils nous font bien. Et les clairs, ils nous connaissent qu'il est plus facile. Et ça, comment on a dit Philippe Dulan? Il est plus facile parce que longtemps, il y a une façon de contrôler l'opinion. Si vous dites ça, vous voulez, vous avez la presse par vous, vous journaliste par vous. Mais pour le moment, le peuple attend des infos bientôt. Il attend des Boostad John chaque jour. Il attend des Jimmy Mouna Femme TV. Il attend des Tcheko Peplan, il attend des Palais Haïti, il attend des Bertochon. Il attend un pilote. Jeune, étant détérioré, le peuple a compris qui est pour qu'il fait. Et le peuple n'a pas quitté avec prendre dans le piège qui est pour qu'il prenne longtemps. OK? Et le peuple a décidé pour le bataille lui-même, pour le retirer tête dans la situation difficile qu'il a mette là. J'aime toujours dire, la bataille pays n'est pas facile. Mais c'est le monde qui a un sens de responsabilité. C'est le monde qui n'a pas peur qui est capable de mener la bataille pays. Et engagement ça, il faut que nous prenions, il faut que nous continuions à prendre par tous les moyens. Parce que Haïti est capable de changer. Mais c'est nous qui pouvons retirer le pays en bas griffe, coalition criminelle, assassin qui nous mettez là. Nous kagoumen, oui, il faut que nous bataillons. OK? Oui, il faut que nous bataillons pour Haïti sortir. Parce que faut que nous prenions engagement. Crédit vidéo, ça c'est pour une radio-télévision. Dans pays et m capable dit dans département grand dans pays la ca sénateur qui Philippe me salue yo pas même la ca dit que on vient dans les salariés tout le temps qui a ça j'ai dit là j'ai fait là c'est machin de oui c'est volé pas même c'est lui la conseiller des mots ça OK bon yo que mon ami zo oui c'est politique c'est volé c'est ça qu'il faut là parce que États-Unis l'espace c'est plus foncier la dominée politique haïtienne à côté de la guerre. Si Américains ne veulent pas nous, ils appellent nous. Je dis avec Caricom, ils ont imposé. Chaque gouvernement, ils ont demandé 11, ils ont demandé pour nous 11 mois. Pas de conseil à tout le monde. Chaque monde, on va demander au moins un patron. Il faut parler d'un 19 patron. Ou à même, la seule, ils ont demandé 11 mois. On va demander 19 patron. Tout le monde, on va demander de l'opérer autant qu'on voit. Tout le monde, on va demander entre eux à déchirer, ça a des contrôles de tel ministère, ça a des contrôles de la PN, ça a des contrôles de l'OMS. Côté pays à mal. Et qui ça veut dire que vous avez une légitimité populaire. C'est pas toi qui me dit là. C'est l'ambassade américaine qui me dit. Donc à qui est-ce qu'on sécurise ça? Pour qui est-ce qu'on va travailler? Pour pas qu'il y ait des gens, qu'il y ait des privilèges à l'Ombre.
de pouvoir continuer le travail pour l'ambassade américaine, quatre jours là, dans le droit visa, dans l'anticom, par les réunions qui ont fait, pendant l'hiver, la continuer de piller l'homme, la continuer de voler et boxe, voler plus vous, la continuer de voler et du bagage et du jambé, la continuer de voler tout ça dans la société, sous prétexte que c'est les réserves stratégiques, pendant que le peuple a coupé dans les Donc c'est bagage, ça va vous dépenser, c'est pour ça qu'on a bien bagage là. Moi, je me dis, quoi, je me dis, comme ça, n'a bien, peut pas combien de bagage. Mais n'a bien bagage là. Il y a un petit jeune homme. Et parce que ça, moi-même, ni moi-même, ni moi-même, la discrète. Neuf lettres, ça, ou neuf jambes, ça, ou là. Mais nous, déboulons les aïeux, l'homme. Nous, déboulons les autres, qui étaient comme dire, voilà, déboulons. J'ai pas dit, voilà, t'es dit, qu'il a pu, et qu'il m'attaque, comme la démonstration, c'est pas là. Neuf fois les aïeux, 99, souffrant plus aïeux. N'a pas déboulons les aïeux. Mon garantie, n'a pas déboulons les sénateur, vous garantissez n'a pas déboulons les aïeux. C'est comme ça. N'a pas eu de révolution. Et au doué déboulons les aïeux. Maintenant, nous avons dit, pas la révolution sans conscience. Les nouveaux pays, côté que le système éducatif noir, même oligarque, même l'Occident, c'est eux-mêmes qui ont préparé nous. Je dis à est-ce que pas important pour nous aller identifier le problème de la cause là? Je dis à la paix pour changer si nous comprenons pendant un siècle, c'est l'Occident. Et une perspective pour voir un message par le monde, surtout dans le pays, je dis, qui a un pile de richesse, qui a un pile et demi. Mais le pays, ça a eu le coup. Est-ce que l'Occident a inscrit dans le paradis, côté que nous avons un message psychologique pour dire, pays, ça va aller. Nous pouvons être indépendants. Mais regardez Haïti qui est indépendant. Mais il y a la vie. Est-ce que le système éducatif nous a permis que nous emmagasinions une conscience? Pour nous dire qu'il faut que nous changions les paradis, il faut que nous fassions rupture épistémologique en façon d'appeler ça. Qui sont pas nous. Est-ce que je dis, nous armons nous des consciences? Est-ce que les peuples s'en a parlé à peut-être nous dire que la voix de Dieu est la voix du peuple? Est-ce que les peuples s'en a des consciences pour nous mener les batailles? Franchement, je vais vous poser une question, ça, mais ça va dire ma vie. Je vais vous dire ma Le peuple a gagné un pile conscience, le peuple a fait les changements. Il pouvait, dans tout parcours que nous faisons, que nous devons la mettre, que nous devons la vivre, que nous devons la vivre, que nous devons la vivre, tout partout pour nous passer, le peuple a un seul bail pour des changements. La vie va changer, lui, il veut qu'on arrive à changer. Lui, moi aussi, je peux pas ici, en fait, pour changement. C'est parce qu'on peut un alphabet qui veut dire que le peuple n'a pas compris. Le peuple a compris, le peuple a fait les changements. Les gens doivent assister dans l'amitié. Mais toute force, toute force délinquante, ça, sous place pour empêcher le peuple de manifester. Regardez ce qui se passe à Jérémy. Là, les M. Sismon, qui s'est soucié de Jérémy, et les Jérémy, on n'a pas pensé. Et les criminels, là, il a marché, dans la vie du monde. M. Sismon, parce que le monde devait manifester pacifiquement, je vous dis qu'il faut pas changer. Justement, et en pile violence était faite dans le département de Gaspéia, mais comment est-ce que Philippe qui connaît qui compte libre aller avec Bataille, et l'IPAT, il n'a pas réagi. En plus, on dit, pour qui ça, Guy Philippe, dans Bastion, là, Kaili, on a fait qualité crime, ça, et puis Guy Philippe a réagi. Mais là, on vient de comprendre, stratégie comme on a Guy Philippe, là, vérité, bon Dieu, me dit, monsieur, son leader, monsieur intelligent, et nous, qu'à croire dans monsieur. Nous, pas qu'à agir avec émotion, nous, pas capable d'aborder problème, ça, Guy, avec émotion, nous, de faire le tête frette, et puis, au coup de la route, n'a pas ces vitesses, là, de temps en temps, jusqu'à ce que nous prenions vitesse de croisière là, pour nous capables de arriver à destination. Guy Philippe, c'est un leader sérieux. Guy Philippe, c'est un leader conséquent. Guy Philippe, c'est un monde qui a fait confiance comme jeune. Et une équipe solide qui doit camper à côté. Nous ne pas prendre en traite. Nous ne pas prendre en coup à comprendre. Et nous disons élection qui est faite dans le pays. C'est nous qui pral fèl et ou même comme peuple pour pral konn qui est ce qu'on doit voter. Il n'a veillé de manière stratégique, il n'a veillé avec une stratégie violente pour ne pas venir faire pratique violence sur nous pour voler l'élection. Pas de jouet là. Pas de tete langue là, papa. C'est soit le fait ou bien le kaba. C'est soit le fait ou bien le suspend. Parce que nous pas quitter de continuer à détruire Haïti. Dans le niveau que y a détruit là,
faut que nous fassions tout ça que nous capable pour nous sauver pays. Et Haïti qui a sauvé. C'est nous qui a sauvé pays. On gonfle pour nous. Justice pour Maslem Itil, président équipe arabe là. Petite li a pande libération pour papa. Jodi a c'est papa nèg arabe là qui a subi toute sorte de persécution politique parce qu'il pas vle bien dans la boue gang adverse. Moi c'est celle petite papa, mais li c'est papa tout monde qui a problème. T'as l'air comme ça. Tout malheur et malheureuse pour le porter dans les rangs de l'école avec femme caille, by papa, parce que lui remet tout le monde. Ma fatigue, monde qui mettait tête ensemble pour kidnapper papa, non, journée, jodia, c'est pas seulement qui a souffert, mais c'est une population. 12 août 2023, il y a un petit groupe. Moun mille gouttes te manqué assassiné par femme nan enterrement journaliste Liliane Pierre-Paul. Pour finir, m'a demandé libération papa pressé pressé. Papa m'a pas eu kidnappé, li pa eu volé, li pa eu nan moun ki gagote 4.2 milliards kop Petro Caribea. Tant kou te riel te lis kon ap di. Papa m'se yon kout men la bay population haïtienne nan. M'a adressé à nouveau ministre justice là M. Carlos et qu'il pour pencher sur cas papa m'a. Et m'a adressé à journaliste Yel Telus pour dire un mot pour papa parce que cause papa m'a défendu là. C'était cause toute malheureuse et malheureuse en dans pays là. Merci. Depuis voilà. Après arrestation papa. C'était capable dit c'est petit arabe blanc qui prend la parole et qui prend de libération pour pas parler maintenant nous entendez personnage ça qui c'est papa arabe travail il y a le tap fait la locale il arrive local on fait passer sur la main pour dire son nèg c'est kidnappé yo pas joindre zam là même pas comment il arrive parce que il arrive c'est gros qu'on est tué yo fait ça parce que monde pour y arrêter, tout le monde y arrive normalement. L'État n'a pas fait ça. Mais c'est arabe, il est obligé de mettre les sous lui. C'est parce qu'il a parlé vérité, il a montré le travail qu'il a fait dans le pays. Le Jovenel Moïse était là, il n'y a pas de travail qu'il a fait. Mais pendant que vous finance à signer là. Pendant que vous finance à signer là, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas même moins de travail encore. C'est bête, tout le bagage. Il n'a pas continué à marcher encore. Mais si il y a l'autre monde qui remplace, il faut travailler là, tu as marché. Et pas ça, il arrive à faire. C'est persécution politique, ils ont arrêté monsieur. Je me suis dit un argument pour lui dire comme ça. Monsieur était à l'examen, il était figé, mon nom était volé, pas de bagaille comme sa pièce. Et puis, il n'y a pas de fond, tout. Parce que c'est un garçon. Il n'y a pas arrêté. Il a arrêté. L'État lui-même, c'est lui qui met tout le bagaille après, bon Dieu. Sous terre. Il n'y a arrêté. Il n'y a pas remis forme tête, il a arrêté. Mais. Il faut nous avouer le président du juge naturel. Depuis que je suis en Angleterre, bien sûr, moi, il est en prison. Ça fait au caï, ça le fait ici. Ils ont tracé, il n'y a pas d'arrêté lui-même. Mais ça passe. Parce qu'il finit de tracer la prison, après il passe, il roule, il n'y a pas d'arrêté. Il n'est pas à l'aise, il est à l'aise côté de lui. Bon, ok. Il te mettait la tête, il prenait la police à besoin, li, parce que ça pas dû être fait comme ça. Mais c'est comme ça qu'il te présenté, il sauvait ville, vous voulez. Ok? Quand il y a ça qui passe, depuis qu'il est au grand là, il est en prison. Il va présenter le juge naturel pour lui sentence, pour lui être fait prison. Hein? Parce que après 3 jours, il doit le présenter le juge naturel. Là, et puis pour lui, si vous avez un argument pour condamnation, il a condamné. Mais si vous n'avez pas gagné tout, comme ça, il a libéré. C'est ça, moi, mais je n'ai aimé M. Jeune Libération parce que trop de temps le fait de lui en prison. Il n'est pas bien là, bien vivre. Il a porté un petit manger pour lui, pour le manger en prison. Il a mal dormi. Pas mal dormi, tu vas aller au poton, on bosse pour lui, le casser, le bagage, un petit bagage, tant que lui, bagage, doit bosser, boucher. Mais bagage, toi, dis, si bagage, te dit comme ça, regardez ça bien dans le pays, regardez comment le pays a crasé. Mais il a mis ses côtés de l'IA, t'as fait ça. Et pour, c'est pour concerner au fond bagage pour mister, c'est pour pencher sous cal là, c'est pour la libération. Parce que les gars, ils ont pas qu'être bagage, l'arrestation, téléphone, bagage.
avec des téléphones. Tout le monde s'est arrêté là, mais il m'a dit. Parce que c'est richement voyé, il y a un téléphone, ni au cas. Ni même, ni des bagages parlent, ni même. Il n'y a pas de bagages, oui. Parce qu'il y a un petit bouleverse tout. Il n'y a pas de bouleverse, il y a un monde qui n'a pas de boum, mais qui n'a pas de rien pour arrêter. Il y a un pays de Haïti. Tout le pays de Haïti, au cas de Haïti, Port-au-Prince, Haïti, Jérémy, Haïti, oui. Ça veut dire petit client qui va à l'école en septembre 6 début là. Et c'est vous-même qui prenez la responsabilité. Mais je n'ai pas pour vous l'école, mais petit là, petit. Moi, je suis un monde, mes amis. Je ne vais pas travailler dans le pays. Je ne vais pas rien faire. Hein? Et papa qui compte toute bagaille petite pour voir l'école, bagaille, acheter radio, acheter livre. Moi, je compte comment bagaille est passé. Moi, je m'explique ça. Vous connaissez qu'il y a un pile de monde qui était supporté dans la bataille politique, ça n'a pas supporté la famille. Ah, mes amis, mon yon est gomme à gomme pour tête, pour petit, pour madame. Mais pas arabe, y'a vini de gomme à yon bagay ça, mes amis. On va mettre abse sous un clou sous abse. Comment est-ce que tu as dit qu'il y a un besoin? Ou dire même bosser pas pour ça. Yo bay boss un petit bout de boss pour. Manque des gars n'ga pas voler trop bagaille men. OK. Vous comprendre n'ga pas voler. Libérer nèg là parce que nous pas joindre aucun argument pour dire la voler ou sinon la exam ou sinon la drogue. Alors même si ça faut nous après ces juge naturel li pour régler bagaille ça yo s'il gagne condamnation pour yo balé s'il pas gagne tout pour yo libérer et ben c'est ça oui. Libération, parfois, c'est vrai. Libération. Comment est-ce que tu as dit à la prison? Eh bien, arabe, la papa, j'en m'en parce que moi-même, l'offre une bouquet, l'offre une là, l'offre une bouquet, 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 là, mon connu est tout le monde. Laissez les garçons, vous avez subi l'arrestation. Vous avez accepté, vous avez gommé à l'État. Mais l'État a tout fait, ouais, comment va gagner dans le pays d'Haïti, pas gagner qu'à fait, vrai. Et pas les mettre là. Et pas rien qu'à fait, gardez mon pays. On même garde, on parle de tout pays à nous craser avec des gars. Et puis c'est eux-mêmes qui ont mis dehors. Bandi a mis dehors. Et bandi a fait résistance, passer le temps. Est-ce que l'État peut aller nous-mêmes là? Nous-mêmes, vous dégagez. Et si on reste sans manger, vous voyez si vous dans l'école, si vous avez plein d'argent. Si vous avez, mais si vous avez, vous avez la vérité. Vous n'avez pas faire. En conclusion, en tant que papa arabe, ou même au mode de libération arabe. Libération arabe, je ne vais pas voler là, mon ami. Je ne vais pas présenter visage. Si je vole, je ne vais pas présenter même. Je ne vais pas faire ça. Jodi a un chef de montante, pas un chef de bagaille. Ça, vous voulez, vous faites. Sous le monde, penché sous le corps, c'est bon, Dieu fait ça. Attends, papa, vous allez visiter à côté de moi. Non, je ne suis pas capable. Maman arabe, malade. Je ne vais pas élever, appeler. C'est moi qui l'ai avec elle, je vais aller. Même si l'État là pour tout le monde, arabe là, pas font bagaille qui mal. Jean, ça te fait là, tu as dégagé. Ça dit, si vous venez de la zone, les gens viennent de la zone, et pas bon côté. Et après, vous passez mes 10 jours. Vous n'avez pas accepté le tout. Vous n'avez pas allé, mais vous avez cherché à contacter l'État encore. Mais nous, c'était là, contacter l'État. Ça vous avez déjà parlé de tactique déjà, parce que vous voulez que vous l'envoyez là. Vous avez déjà fait un problème de tête? Non, il n'y a pas pour aller en tête. Les gars, vous avez réglé ça normalement. Selon la loi. Selon la loi. C'est celle où l'arabe vous avez gagné comme petit? Non, il n'y a pas celle-là. Vous avez trois petits garçons. L'autre qui est plus grand, c'est les petits. D'accord, merci.
Voilà, c'était papa arabe et qui t'a demandé libération pour arabe et expliqué situation arabe en dedans prison côté nèg metel là. Et n'a demandé avec maître Carlos Ekil, ministre de la justice et de la sécurité publique, il est extrêmement important pour que nous gérer dossier arabe là, parce que nous pas capable quitter arabe là. Nous pas quitter comme si Pierre Espérance a forcé moun kembe arabe dans prison pour humilier arabe là. C'est pas possible. Nous demandons libération pour Maslamitil qui est président capable là. Merci à tout le monde. Rendez-vous à Cepita pour l'autre édition. Merci. Kembe là.